De nombreuses personnes de par le monde ont affirmé être entrées en contact avec des extraterrestres. Certains les auraient vus de près, d'autres seraient montés à bord de leur vaisseau. D'autres encore disent avoir dialogué avec ces êtres venus d'ailleurs. Si la plupart des faits rapportés étaient en fait des mystifications, le doute planait encore sur quelques-uns d'entre eux, jusqu'à maintenant. Deux hommes vivant à 800 km l'un de l'autre ont fourni de nombreuses vidéos montrant les rencontres rapprochées qu'ils ont vécues. Alors là, j'ai mis la caméra en mode infrarouge. J'avais jamais vu ça. Ils voient des disques, des lumières et des sphères étranges. J'ai conduit jusqu'à la sphère qui s'est divisée en deux. Ils perçoivent tous les deux une communication. Je suis convaincu que tout cela mènera à une rencontre avec une entité biologique. Présenteraient-ils tous les deux la même anomalie médicale? Il y a effectivement une anomalie. Leurs documents vidéo, présentés pour la première fois à la télévision, et leurs analyses médicales, apporteront-ils des preuves tangibles qu'un contact extraterrestre a été établi? J'ai eu des contacts toute ma vie. Voici l'affaire 58105, contact extraterrestre. Le 5 septembre 1977, la sonde spatiale Voyager 1 quitte la Terre en direction de Jupiter, Saturne et même au-delà, avec à son bord du matériel technologique de pointe. La sonde transporte également un disque de cuivre recouvert d'or de 30 cm de diamètre, sur lequel sont encodées 115 images, des salutations en 55 langues, des sons naturels de phénomènes atmosphériques, d'océans et de cris d'animaux, sélectionné par une équipe d'astronomes dirigée par Carl Sagan. D'après la NASA, ce disque d'or porte un message de bienvenue pour toute forme de vie que la sonde pourrait croiser sur son chemin. Le disque est accompagné d'instructions visuelles nécessaires à sa lecture et au décodage des images qu'il contient. Il contient également une carte des pulsars indiquant l'emplacement de notre Soleil grâce à un code mathématique. 30 ans plus tard, Voyager 1 transmet encore des données à la Terre. Mais au cours de son voyage de plus de 14 milliards de kilomètres, elle n'a toujours pas rencontré le moindre signe de vie extraterrestre, pour autant que l'on sache. Pendant que Voyager poursuit son voyage dans l'espace, l'homme utilise une technologie de plus en plus pointue pour établir un contact avec une forme d'intelligence extraterrestre. Depuis 1961, les grands astronomes et scientifiques du monde entier travaillent à un programme nommé SETI, qui se concentre sur la recherche d'une intelligence extraterrestre. Il a pour mission d'explorer, de comprendre et d'expliquer l'origine, la nature et la prévalence de la vie dans l'univers. L'une de ses principales installations, le Hallen Telescope Array, souvent abrégé en ATA, situé à Hat Creek en Californie, à 465 km au nord-est de San Francisco, est un groupe de radiotélescopes conçu en partie pour sonder des milliers d'étoiles à la recherche de signaux radio ou électroniques dans l'espace. L'équipe commence son enquête sur les contacts extraterrestres à LATA, où elle rencontre l'astronome Seth Shostak. L'idée, c'est que toutes ces antennes, quand elles sont interconnectées, peuvent agir comme une seule grosse antenne. C'est une gigantesque oreille métallique que nous tendons vers les étoiles dans l'espoir de capter un signal quelconque. Tout ce que nous avons découvert sur l'univers dans les 40 dernières années porte à croire que ce qui s'est passé sur notre planète n'est peut-être pas un miracle. Vous pensez qu'il y a de la vie dans l'univers? Nous sommes de plus en plus optimistes. Les probabilités sont assez élevées. Mais avant d'espérer capter un signal authentique, il faut faire le tri pour écarter les signaux qui proviennent de la Terre,
comme ceux des satellites du gouvernement, des satellites de communication et les radars d'avions ou d'aéroports, ou toute autre interférence de source humaine, comme les signaux de radio et de télévision. Le processus entraîne parfois ce que le SETI qualifie de fausse alerte, c'est-à-dire des signaux qui donnent à tort l'impression de provenir de sources extraterrestres. Une des alertes les plus controversées du programme SETI a probablement été le signal Wahoo, détecté le 15 août 1977 à l'Université de l'Ohio. L'astrophysicien J.R. Heyman avait détecté le signal sur un imprimé d'ordinateur, l'avait encerclé et avait écrit « Wahoo » dans la marge. Il avait été stupéfait de constater à quel point le signal ressemblait à l'idée qu'on avait d'un signal extraterrestre. Le signal puissant, qui avait duré 72 secondes, possédait plusieurs caractéristiques qui le distinguaient des signaux venant de la Terre ou du système solaire. Moins d'une minute après l'interception du signal radio, un deuxième récepteur s'est mis à scruter le même point dans le ciel à la même fréquence radio, mais il n'a rien détecté. Quand un signal n'est perçu qu'une seule fois, ce n'est pas de la science. Mais la disparition du signal semble pouvoir se justifier. En supposant qu'une balise extraterrestre émette un signal intermittent, il aurait fallu que les télescopes soient pointés sur le point d'origine jusqu'à l'arrivée du signal suivant. Mais les scientifiques n'ont aucune idée de la durée du cycle. Il pourrait donc s'écouler plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, et même plusieurs années entre chaque signal. Étant donné que les scientifiques du réseau SETI orientent leurs antennes vers des zones d'intérêt qui changent de jour en jour, une transmission peut passer inaperçue. Plusieurs tentatives ont été faites depuis ce jour pour retrouver le signal Wahoo, mais sans succès. Et la science attend encore une explication. Il y a des gens qui, comme moi, croient qu'il y a une forme de vie intelligente dans l'espace. Et ils y croient assez pour chercher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au laboratoire de l'ATA, l'équipe se familiarise avec les méthodes employées par les scientifiques du SETI pour chercher des signes de contact extraterrestre. S'il y a 56 millions de canaux et qu'on les sonde une fois par seconde, on obtient 56 mégaoctets de données à la seconde. Nous avons de nombreux points communs avec Seth Shostak et les gens du SETI. Au fond, nous recherchons la même chose, une preuve qu'on a des voisins dans l'espace. Vous dites qu'ils sont là-haut, et nous qu'ils sont déjà ici. On devrait pouvoir trouver un terrain d'entente. Le réseau comptera bientôt 350 télescopes et outils qui permettront de sonder plus de 10 000 étoiles et de recueillir dans les 20 prochaines années 1000 fois plus de données que n'en ont accumulé à ce jour tous les projets mondiaux combinés. Avec cette puissance, les experts du SETI espèrent intercepter un premier signal extraterrestre d'ici 2025. La probabilité scientifique d'un contact extraterrestre ayant été établi, l'équipe part à la recherche de preuves matérielles que ce genre de contact est déjà courant sur Terre. Ils ont repéré deux hommes affirmant avoir été contactés. Ces deux hommes vivent dans deux villes différentes et ont filmé de mystérieuses sphères colorées près de leurs résidences respectives. Ils pensent que les extraterrestres chercheraient à entrer en contact avec eux. Les contacts avec des extraterrestres sont souvent qualifiés de rencontres rapprochées, qui ne sont pas toutes identiques et sont divisées en cinq catégories en fonction de leur intensité. Une rencontre du premier type correspond à l'observation d'un engin étrange ou de lumière qui ne s'apparente à aucune technologie humaine, à une distance de 150 mètres ou moins. Une rencontre du deuxième type comporte des effets physiques vus ou ressentis, comme de la chaleur, des radiations, une paralysie temporaire ou des interférences dans les signaux télé ou radio. Le troisième type implique l'observation d'êtres vivants de très près. Le quatrième type est l'enlèvement. Et le cinquième type correspond à la communication, une connexion complète et réciproque entre un extraterrestre et un être humain. Suffolk, en Virginie. C'est ici que vit Terrell Copeland, 25 ans, un ex-membre du corps des marines. Il a vécu récemment plusieurs rencontres rapprochées avec des sphères de lumière en pulsation qui semblent se manifester à lui de plus en plus souvent. D'après lui, il ne s'agirait pas d'appareils militaires venus de la base aéronavale voisine. Au cours des 8 dernières années, Terrell a vécu des rencontres semblables à trois endroits différents. À la base navale du Nord-Ouest, près de Chesapeake,
chez ses parents à Suffolk et juste devant son propre domicile. Cette histoire, c'est plus que quelqu'un ayant vu des objets lumineux dans le ciel. Ces objets l'observent également et semblent s'intéresser particulièrement à lui. D'après moi, il se passe quelque chose. Je me suis engagé dans l'armée en 2000, juste après le lycée. Nous avons été formés à l'observation. J'ai vu des avions que le civil lambda n'a jamais vus. Au cours de l'hiver 2000, Terrell a vécu une expérience qui allait changer sa vie. Entre 3 et 4 heures du matin, à la base navale du Nord-Ouest, près de Chesapeake, Terrell voit un objet mystérieux survoler la base, la balayant de faisceaux lumineux. J'ai vu une lumière. J'ai d'abord pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait aucun bruit et il n'était qu'à 30 mètres de moi. La lumière était d'abord jaune, puis elle a viré au vert fluo. C'était une soucoupe volante. Elle était de forme ovale. Terrell Copeland a fait une rencontre rapprochée du premier type. Une observation directe d'un ovni à moins de 150 mètres. Il n'est pas rare que des observations d'ovni soient signalées dans la baie de Chesapeake. C'est d'ailleurs dans cette région qu'un ovni a été vu pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, fait rapporter dans une lettre envoyée à Thomas Jefferson en 1813. Le 31 juillet 1813, Edward Hansford, propriétaire de la Washington Tavern à Portsmouth en Virginie, déclare avoir vu ce jour-là, je cite, « une boule de feu aussi grande que le soleil et qui changeait de forme au fur et à mesure qu'elle montait ou descendait ». On ignore si le président Jefferson a jamais eu connaissance de cette lettre. Mais cette dernière existe bel et bien et reste le témoignage de l'existence de phénomènes étranges dans cette zone. Depuis deux siècles, la zone fourmille d'activités de ce genre. D'ailleurs, pour 2005 et 2006, on compte 12 rapports d'observation. Le 29 janvier 2006, le journal local, le Virginian Pilot, mentionnait des objets volants en formation au-dessus de Virginia Beach, effectuant des changements brusques de direction. Le journal mentionnait également qu'on avait signalé des formes volumineuses et brillantes survolant Suffolk. Dans la plupart des cas, il s'agissait d'observations lointaines. Mais Terrell Copeland, lui, a pu observer les objets de beaucoup plus près. Pour lui, il ne fait aucun doute que ces engins ne sont pas de conception humaine. Quand avez-vous commencé à penser que cette technologie venait d'ailleurs? Ma première observation remonte à 2005. La seconde rencontre de Terrell a lieu sur une période de 3 jours, à la fin du mois d'octobre 2005, près du domicile de ses parents à Suffolk. Le 27 octobre, aux alentours de 19h, il voit une sphère bleue qui se déplace dans le ciel. Il est certain qu'il ne s'agit ni d'une planète, ni d'une étoile. Quand la sphère réapparaît 2 nuits plus tard, le 29 octobre, il tente de la suivre. J'ai tenté de la suivre en voiture. Je voulais savoir ce que c'était, mais elle a disparu. La troisième nuit, soit le 31 octobre vers 23h, l'objet réapparaît en pleine nuit. Cette fois... Cette nuit-là et la nuit suivante, je me suis réveillé à 3h08 du matin. Je ne me souviens pas d'avoir fait un cauchemar. Je me suis levé tout de suite et l'instant d'après, mon réveil indiquait 5h30, l'heure à laquelle je me lève d'habitude. Il n'est pas rare que des personnes ayant été enlevées ou simplement contactées par des extraterrestres signalent des épisodes de temps manquant. Ces personnes affirment se trouver dans un endroit au moment de l'événement et se retrouver ensuite ailleurs sans comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Une paralysie temporaire est un indicateur de rencontre rapprochée du deuxième type. Un laps de temps manquant est signe d'un enlèvement par des extraterrestres. Ce qu'on nomme rencontre du quatrième type. Était-il sur le point de communiquer avec eux? Ce que je crains, c'est qu'une personne un peu bizarre ait contacté Terrell et lui ait mis des idées en tête. Donc cette personne vous a contacté et vous a présenté le contact entre les humains et les extraterrestres comme un but ultime. J'ai le sentiment qu'on vous a recruté. Il y a une branche du gouvernement qui vous a recruté. Et je crois que vous êtes un hybride entre un humain et un extraterrestre. Bien que la notion d'hybride entre des humains et des extraterrestres soit hautement controversée et n'ait pas été prouvée,
certaines personnes contactées par des extraterrestres affirment avoir développé des anomalies physiques peu après leur contact supposé. C'est très étonnant, mais en même temps, pas tant que ça. Car la raison pour laquelle je ne suis plus dans l'armée, c'est que j'ai un problème sanguin inexpliqué. Le sang de Terrell présente un taux anormalement élevé d'une enzyme nommée créatine kinase, qui généralement révèle un problème musculaire. D'après le bilan médical effectué par l'armée, le taux de créatine kinase dans le sang de Terrell s'élève à 2000 unités par litre de sang. Chez une personne en bonne santé, il dépasse rarement les 200 unités par litre. Mais on ignore ce qui a causé ce taux si élevé dans le sang de Terrell. Aucun des médecins militaires n'a su établir de diagnostic à l'époque. Cela les laissait très perplexes. Les médecins militaires n'ayant pu trouver la cause du taux élevé de cette enzyme, Terrell a été démis de ses fonctions après seulement 2 ans de service, peu de temps après ses dernières observations d'OVNI. Comment peux-tu conclure que c'est un hybride? Tu n'as pas peur de tirer des conclusions un peu hâtives? Il est en train d'apprendre à se connecter à l'extraterrestre en lui. Tu sais, je crois que tu ne l'aides pas. Tu es en train de lui dire qu'il peut appeler les ovnis, que c'est un hybride. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Tu jettes de l'huile sur le feu. On a vu la vidéo, tu l'as vu toi aussi. Il entend des voix, il parle avec des inconnus par messagerie instantanée, il reçoit des instructions par email. Enfin, Bill, ça devrait t'inquiéter un peu plus que ça. Les hybrides existent peut-être ou pas, mais je crois qu'il est trop tôt pour parler de ça. Bill est trop enthousiasmé par le phénomène ovni. Il n'a peut-être pas remarqué que Terrell a eu une expérience et qu'il posait des questions pour avoir des informations objectives. Les rencontres rapprochées vécues par Terrell sont-elles les prémices d'une rencontre rapprochée du cinquième type, c'est-à-dire un véritable contact avec les extraterrestres? L'équipe conclut qu'elle doit analyser encore les vidéos de Terrell et trouver une explication. À ses problèmes sanguins. L'équipe poursuit son enquête, tandis que Terrell passe une batterie de tests visant à savoir quels effets inconnus peut induire son anomalie sanguine. Cette vidéo prise par Michael Lee Hill de Cleveland dans l'Ohio sur les eaux du lac Erie serait-elle une autre tentative de contact par les extraterrestres? Et quels sont ses points communs avec la vidéo prise par Terrell Copeland à 800 km de là? Ce que nous voyons ici a les mêmes caractéristiques de vol que d'autres objets que nous avons vus ailleurs. L'équipe enquête actuellement sur le cas de Terrell Copeland. Celui-ci a filmé 2 ovnis qui auraient essayé d'entrer en contact avec lui. Peu après, il a reçu la visite d'un étrange individu et a vécu une expérience de temps manquant. L'équipe pense que tout cela est le signe d'un premier contact avec les extraterrestres. Mais les histoires de contacts extraterrestres ne datent pas d'hier. Certaines se seraient déroulées il y a plusieurs siècles. En 1758, le Suédois Emanuel Swedenborg publie « Des terres dans notre monde solaire » où il narre ses voyages extraterrestres. Il y affirme avoir voyagé à travers le système solaire et avoir vu des êtres vivants sur Saturne, Mars, Vénus et de nombreuses autres planètes. Il est intéressant de noter que ces voyages ne l'auraient mené que jusqu'à Saturne, la plus éloignée des planètes connues à l'époque. En 1900, Théodore Fournoy, professeur de psychophysiologie à l'Université de Genève, a rapporté le récit d'Hélène Smith, une médium qui affirmait avoir visité Mars. Durant une séance, le 22 août 1897, elle a écrit cette phrase en langue soi-disant martienne, un langage qu'elle pouvait aussi parler. Elle continua toute sa vie à affirmer avoir eu des contacts avec les extraterrestres et a même réalisé une série de tableaux dépeignant ses expériences. À partir du XXe siècle, on recueille pour la première fois des témoignages de visites extraterrestres sur Terre. Le 11 mai 1957, dans le désert de Mojave, Wayne Zhao, un expert en renseignement militaire, voit se poser un engin. Il affirmera avoir établi un contact avec les êtres qui étaient à l'intérieur. J'étais à quelques mètres du vaisseau. L'expérience a duré toute la nuit et on m'a montré des choses qui concernent le futur de cette civilisation. À la suite de son expérience, Aou a été interrogé plus de 2 heures par la CIA, qui a toutefois décidé de ne rien révéler de l'affaire.
Mais certains témoignages récents sont assez inquiétants. 1983, Yorktown, dans l'État de New York. Une nuit, un ingénieur nommé John Falk aurait vu une masse sombre flotter au-dessus du nouveau réservoir de Croton Falls. L'objet aurait balayé le réservoir d'un rayon laser rouge, puis s'apercevant de la présence de Falk, il aurait émis un éclair de lumière blanche aveuglante. Il se réveille le lendemain matin sur le sol. En 1997, à Rancho Santa Fe, en Californie, les membres de la tristement célèbre secte Les Portes du Paradis soutiennent qu'ils sont en contact avec un vaisseau caché dans la queue de la comète Hale-Bopp et que la seule façon de survivre à la destruction de la Terre est de se suicider pour permettre à leur âme d'aller rejoindre ce vaisseau. Les allégations de contact extraterrestre ont évolué au fil des siècles, passant de communications et de visites pacifiques à des contacts violents et terrifiants. Mais quelle est la raison de cette évolution? Les rencontres récentes ne présentent-elles aucun danger ou annoncent-elles autre chose? L'équipe va à présent enquêter sur les dires d'un deuxième contacté. Cleveland, dans l'Ohio. Michael Lee Hill est un musicien âgé de 39 ans qui va souvent chercher l'inspiration sur les bords du lac Erie. Mais la nuit du 18 août 2006, il voit quelque chose qui va changer sa vie et qu'il va filmer. Durant les mois suivants, il filmera des sphères dont il ne peut expliquer l'origine sur le même lieu. Ces sphères sont-elles les mêmes que celles que Terrell Copeland a vues à plusieurs reprises en Virginie? Des sceptiques ont souligné que de nombreuses choses pouvaient expliquer la présence de ces sphères lumineuses, d'un véhicule de police à un avion. Mais pour les personnes contactées, le doute n'est pas possible. L'équipe se rend donc sur les bords du lac Erie afin de recueillir le témoignage de Michael. Bienvenue dans la réserve naturelle du lac Erie. D'après certaines personnes, ce que vous avez filmé, ce ne sont que des lumières de l'autre côté du lac. On ne voit même pas l'autre rive du lac, enfin. Il fait plus de 90 km de large. On dit aussi que ce seraient des avions ou des hélicoptères. Vous dites non, pourquoi? Nous sommes près de la centrale nucléaire de Perry. Et depuis les attentats du 11 septembre, il est interdit de survoler les centrales nucléaires. La centrale nucléaire de Perry est située à 55 km au nord-est de Cleveland. Depuis le 11 septembre 2001, des restrictions temporaires de vol sont en vigueur dans cette zone. D'après l'article 99.7 du Code des régulations fédérales, les pilotes doivent éviter de pénétrer dans l'espace aérien au-dessus et à proximité de sites tels que les centrales nucléaires, les barrages, les raffineries, les installations militaires et autres structures similaires. Ces objets ne bougent pas comme des aéronefs ordinaires, c'est ça? En effet, ils flottent. Ce sont des sphères solides, lumineuses et clignotantes. Que je sache, aucun aéronef n'est muni d'une grosse boule lumineuse. Surtout à côté d'une centrale nucléaire. Visiblement, les objets aperçus par Michael au-dessus du lac ne sont pas de simples aéronefs. L'équipe a de bonnes raisons de croire que les rencontres répétées de Michael sont similaires à celles de Terrell et pourraient être la preuve d'un essai de contact extraterrestre. La prochaine étape consiste à comparer les séquences vidéo et à déterminer depuis quand durent les expériences de Michael. On voit ici une des sphères dont je vous parlais. Ce sont simplement de grosses boules de lumière. Bientôt, vous verrez un autre objet semblable arriver de la droite et se placer juste au-dessus de l'autre. Là, j'ai trouvé ça dingue et j'ai passé la caméra en mode infrarouge. Les objets que nous voyons là ont des caractéristiques de vol similaires aux objets que nous avons vus ailleurs. Celle de Terrell Copeland à Suffolk, c'est pareil. Elle clignote, change de couleur et se rapproche l'une de l'autre. Après cette rencontre, Michael a remarqué que l'activité au-dessus du lac s'était interrompue pendant près d'un an. En septembre 2007, il a filmé de nouvelles séquences que l'équipe va à présent visionner pour la première fois. Ces objets ont volé dans un sens et dans l'autre juste devant moi pendant une heure et demie. Parfois, ils semblaient s'éteindre et je ne les voyais plus. Puis, ils réapparaissaient et devenaient très brillants.
Alors, pendant que je filmais, un autre objet est apparu. S'il s'agissait de fusées, elles flotteraient et retomberaient. Cette nuit-là, il y avait une très belle lune d'automne orangée, et les objets sont apparus sous la lune. J'ai peur que le deuxième objet ne soit qu'une image fantôme dans la caméra. Une fois l'image cadrée, je jetais un coup d'œil. Toujours avec vos jumelles. Les images filmées par Michael sont impressionnantes, à cause de la taille du lac, et aussi parce que cette zone est interdite de survol. Cette région est déserte sur une centaine de kilomètres. Tout cela rend les lumières enregistrées par Michael Lee tout à fait remarquables. Mais ces objets sont-ils nouveaux, ou bien ont-ils été déjà aperçus quelque part? Le 4 mars 1988, le quotidien Le Cleveland Plain Dealer rapporte que Sheila Baker aurait vu plusieurs petits objets triangulaires sortir brusquement d'un énorme objet gris métallique en forme de ballon de football américain qui descendait sur le lac Erie. Les gardes-côtes auraient eux aussi assisté à l'événement. Il est écrit dans leur rapport que de plus petits objets auraient commencé à flotter près de la zone où le gros engin s'était posé. Ils semblaient explorer les environs. À ce jour, cet événement demeure inexpliqué. La description de ces objets approchant du lac Erie rappelle étrangement ce que Michael a filmé le 18 août 2006. Les expériences de Michael datent de bien plus longtemps que ne l'imaginait l'équipe. J'ai eu des contacts toute ma vie. Serait-il face à un contacté de niveau 5? Selon les rapports d'enquête, le 20 janvier 1996, un objet non identifié s'est écrasé dans cet endroit derrière moi. Pendant les deux jours qui ont suivi, deux créatures extraterrestres ont été capturées vivantes par les autorités brésiliennes. Dans les heures qui ont suivi la première capture, le blackout médiatique a été total. Et malgré une importante présence de militaires et de personnel d'urgence, et plus d'une douzaine de témoins ayant vu à la fois le vaisseau et les corps, le gouvernement brésilien se refuse à admettre qu'un événement d'origine extraterrestre ait eu lieu dans les environs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup de gens ici croient à cette histoire. L'épisode Varginha pourrait-il s'avérer la plus significative des rencontres du quatrième type? C'est tout simplement incroyable. Incontestable. Vraiment incontestable. On se fiche de ce que disent les militaires. Ils cachent tout. Ils cachent le fait qu'ils ont capturé des extraterrestres au Brésil et vivants. La créature mesurait environ 1m60 et avait de grands pieds en V. Sa peau était marron foncé et d'aspect huileux. Elle avait une grosse tête, plus grosse que la nôtre, et des espèces de bosses au sommet, trois bosses. Ces créatures d'une autre planète ont été capturées, emportées par les militaires, et on a pratiqué sur elles des examens biologiques. Quand je fais des recherches sur des cas d'apparition d'OVNI, j'utilise une méthode de notation après évaluation des preuves et après avoir pesé le pour et le contre. Et je mets 7 sur 10 au cas Varginha. Je ne pense pas que les gens inventent, mais je crois qu'il faut envisager très soigneusement la possibilité d'être en présence d'une série d'événements qui ont peut-être été reliés entre eux par des gens très avides d'en tirer certaines conclusions. Peut-être sommes-nous seulement en présence d'une série de fausses identifications avec des gens qui trouvent des explications extraordinaires à des faits qui peuvent être assez quelconques. Je crois que cette affaire est très importante et que nous allons prouver que des extraterrestres nous ont vraiment rendu visite. Il est difficile d'imaginer un endroit moins approprié pour ce qui pourrait être le contact le plus important entre l'humanité et une race extraterrestre. Mais c'était déjà ce qu'on a dit à Roswell. Varginha est une petite ville industrielle de 120 000 habitants dans le sud du Brésil. Dès la nouvelle de la capture présumée d'extraterrestres, une armée d'ufologues et de reporters de la presse écrite et télévisuelle internationale a envahi la région pour couvrir ce qui est devenu rapidement la plus stupéfiante rencontre jamais évoquée. Quand nous sommes arrivés à Varginha pour rencontrer les chercheurs et les témoins, le mystère et l'intrigue étaient à leur comble. La ville entière perdait la boule. Tout le monde était dans la rue.
parce que de nombreux ovnis avaient été localisés et que les gens faisaient des rapprochements. Les habitants avaient toutes les raisons de s'inquiéter. On racontait qu'un militaire était mort dans des circonstances étranges, peut-être après avoir manipulé l'un des extraterrestres. Des animaux du zoo en bonne santé étaient morts de façon mystérieuse pendant la nuit. Des témoins et des chercheurs avaient reçu des visites mystérieuses et les témoignages relatant des apparitions d'ovnis affluaient. Varginha se débattait dans une transe extraterrestre. Ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a pas le moindre doute. Tout ceci est bien arrivé. Nous avons parlé non seulement avec des habitants impliqués indirectement dans l'affaire, mais aussi avec des gens qui ont eu une part active dans les événements les plus importants. Selon les chercheurs, dans la nuit du vendredi 19 janvier, un satellite espion américain a détecté un objet non identifié entrant dans l'atmosphère. Le système de défense radar nord-américain, le NORAD, dans les Cheyennes, a prévenu le gouvernement brésilien que l'engin se dirigeait vers Varginha. Les autorités militaires de la base de Três Coracoés se sont mises immédiatement en état d'alerte maximum. Cette nuit-là a été le théâtre d'une activité militaire frénétique et discrète. D'après nous, non seulement les Américains ont donné l'alerte, mais ils s'intéressent aussi sérieusement à cette histoire, parce que nous savons que s'ils mettent la main sur une épave de vaisseau, ou encore mieux, sur une de ces créatures, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, selon nous, ils sont impliqués jusqu'au cou. Il y a tout un tas d'équipements sophistiqués là-haut, guettant l'entrée dans l'atmosphère d'un satellite américain ou russe, ou d'une soucoupe volante. Alors, connaissait-on la trajectoire de l'engin? L'armée de l'air brésilienne a-t-elle été prévenue? Quelle a été l'implication du gouvernement américain? Les Brésiliens n'ont guère de satellites espions là-haut, par contre les gouvernements américains et russes, oui. Alors, ça fait réfléchir. Quelques témoins ont observé la chute de l'engin. C'était très étrange parce que certains d'entre eux ont décrit un objet en forme de cigare, un truc qui ressemblait à un cigare en flamme, avec des étincelles, des trucs comme ça. Cette nuit-là, plusieurs témoins ont déclaré avoir vu un engin étrange dans le ciel. Le 20 janvier au petit matin, Eurico et Oralina de Freitas ont aperçu ce qu'ils pensaient être un ovni plané à 1,50 m du sol, tout près de leur ferme. L'engin semblait en difficulté. On était couché, mais ma femme n'arrivait pas à dormir. Alors elle s'est levée. On a entendu les vaches effrayées qui commençaient à meugler. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Ma femme est allée à la fenêtre et m'a appelé. Il était à peu près 1h du matin. Et on a vu un engin qui venait de là-bas avec plein de fumée qui en sortait. Alors j'ai appelé mon mari et on a regardé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit une espèce de sous-marin volant. Il était très long, avec des trucs qui volaient derrière, comme quand on attache des rubans à un ventilateur. Il était de la taille d'un minibus avec de la fumée partout et... Il était très clair, presque transparent. C'est la première fois que je vois un truc pareil. La partie la plus étonnante de l'histoire allait se dévoiler. Selon les rapports, à environ 7h du matin, le samedi 20, les pompiers recevaient un coup de téléphone anonyme les informant qu'une créature étrange déambulait en liberté dans les environs de Varginha.
Les pompiers se sont donc dirigés vers l'endroit où la créature avait été signalée, à environ 5 minutes de distance. Mais curieusement, à leur arrivée à Jardim Andere, un contingent de la base militaire ESA se trouvait déjà sur les lieux. Comment les militaires étaient-ils au courant? Qui les avait prévenus? Était-ce la preuve que l'on cachait quelque chose? Ils étaient tous surpris de se retrouver les uns en face des autres, les pompiers et l'armée. Et puis, ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble et capturer la créature. Vers 10h30 du matin, selon les rapports, les pompiers ont localisé une créature recroquevillée dans des herbes hautes. Ils s'attendaient à trouver un chat sauvage ou un chien. Ce qu'ils ont trouvé allait avoir un impact considérable pour la ville de Varginha. La créature s'est laissée capturer sans résistance aucune. Elle ne bougeait presque plus. Elle était tellement fragile. Elle avait l'air de tellement souffrir. Les pompiers m'ont dit, enfin, un d'entre eux, que la créature n'avait pas réagi. Elle avait été très facile à capturer. Il pensait qu'elle était plus ou moins malade, qu'elle n'allait pas bien, parce qu'elle ne bougeait pas. Quand on regarde les témoignages, les dessins qui ont été faits, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des extraterrestres particulièrement évolués. J'imagine très bien un vaisseau spatial qui a des ennuis, une erreur de pilotage sans doute, et ces créatures-là, qui n'étaient peut-être pas aux commandes, et qui se retrouvent lâchées dans la nature. Cet incident a-t-il vraiment eu lieu? Un extraterrestre a-t-il été capturé vivant et emmené par les autorités? C'est ce qu'affirment haut et fort plus de 11 personnes qui se disent témoins oculaires. L'un d'eux, un avocat local, a observé les manœuvres militaires de sa maison. Il a accepté de témoigner à condition que son identité ne soit pas dévoilée. Après avoir vu les soldats entrer dans les bois, j'ai entendu 3 coups de feu. Et je me suis dit, ils ont tué quelqu'un. Ils sont ressortis des bois peu après. Un des soldats portait un sac dans lequel j'ai cru voir quelque chose bouger. Sur le coup, j'ai cru que c'était un animal parce que j'étais sûr que quelque chose bougeait dans ce sac. J'ai alors passé le relais au capitaine Ramirez, un officier de l'ESA, qui attendait déjà le convoi. Ils ont alors transféré la créature des locaux militaires à l'université Unicamp, dans la même ville. Derrière l'aspect sans prétention des sous-sols de l'université se cachent en fait 2 laboratoires dont l'accès est strictement limité. Pourquoi les créatures ont-elles été transportées là-bas? Parce qu'à l'université de Sao Paulo, il y a toute une équipe de médecins légistes, les meilleurs du pays. Ils sont dirigés par le docteur Baran Palares, qui est considéré comme l'un des plus éminents médecins légistes du pays. Nous avons contacté le docteur Palares dans les locaux médicaux. Il a refusé de répondre à nos questions devant une caméra. En revanche, il nous a téléphoné par la suite pour nous faire cette déclaration. De façon officielle, je n'ai pas participé activement et personnellement à l'affaire Varginha. Je n'ai jamais été en contact avec des membres des services de sécurité ou de l'armée concernant quoi que ce soit qui ait rapport avec l'extraterrestre de Varginha. Mais plusieurs mois après l'incident, un étudiant lui a demandé s'il avait été impliqué dans l'affaire. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit, eh bien jeune homme, j'aimerais beaucoup pouvoir vous répondre. Reposez-moi donc la question dans 10 ou 15 ans.
De sources non officielles, nous savons qu'après plusieurs semaines d'expérimentation dans les laboratoires haute sécurité, on a transporté les extraterrestres aux États-Unis dans un avion non immatriculé. Peu de temps après les événements, l'un des soldats que l'on pensait avoir été en contact avec la créature est mort. Marco Eli Cherese, 23 ans, était policier militaire en civil à la base militaire. Il est mort à quelques semaines des incidents et sa sœur Martha est donc convaincue qu'il a été contaminé par la créature. Il a été impliqué dans cette opération de police du début jusqu'à la fin. Et il a accompagné la créature de l'endroit de sa capture à l'hôpital Humanitas. Il est rentré très tard à la maison cette nuit-là. Quand il a capturé l'extraterrestre, il a très bien pu le toucher. Les rapports que j'ai disent qu'il a pu être contaminé par la peau. Pas forcément par une coupure ou une blessure infectée. C'est pour ça que je dis qu'il y a bien eu capture et que mon frère a bien capturé cette créature. Parce qu'il était en parfaite santé avant. Les docteurs ont dit qu'il n'y avait pas besoin d'autopsie et ont donné l'ordre d'enterrer le corps immédiatement. Nous avons quand même pu obtenir des analyses de sang qui montrent que le sang de Marco contenait 8% de substances toxiques inconnues. Les médecins ont dit à la famille d'enterrer le corps immédiatement. Sans cérémonie. La famille ne comprenait pas pourquoi, mais ils ont obéi aux médecins. Et maintenant, ils poursuivent en justice l'État du Minas Gerais, parce qu'ils veulent exhumer le corps de Marco Eli Cherese. Mais je me rends bien compte qu'ils n'y arriveront jamais, parce que ça concerne les militaires, parce que c'est un sujet classé sécurité nationale, et que le juge ne les laissera pas faire. Plusieurs chercheurs ont essayé d'obtenir des autorités confirmation des événements de ce week-end. Mais elles ont bien évidemment refusé de parler. Et tout le monde voulait savoir, exigeait des réponses. Les pompiers niaient tout en bloc. La police militaire faisait de même. Et l'école militaire ici n'a pas ouvert la bouche. De nombreux témoins des incidents ont été retrouvés. Et on leur a demandé de ne plus divulguer d'informations. Quelques-uns des témoins militaires concernés ont subi de graves intimidations de la part de leurs supérieurs. On leur a dit de ne plus divulguer la moindre information sur le cas, quel que soit l'interlocuteur à qui il la donnait. Sous la pression des médias et du public qui exigeaient des déclarations, les militaires ont tenu leur propre conférence de presse au cours de laquelle le général Lima, commandant de l'ESA, a nié publiquement toute participation de l'armée. C'est absolument scandaleux. Nous avons capturé des extraterrestres et la population n'a pas le droit de le savoir. S'ils étaient en train de faire des manœuvres de nuit, les militaires ne vont pas se mettre tout à coup à en parler aux gens. Et ils ne vont pas non plus se mettre à table devant des ufologues occidentaux qui débarquent et leur posent des tas de questions. Ce n'est pas comme ça que les militaires fonctionnent. Nous avons essayé de contacter le général Lima, mais les militaires brésiliens nous ont dit ne pas savoir où le trouver. Et au moment où tout le monde pensait que c'en était fini de l'affaire Roswell brésilienne, des rapports relatant une autre rencontre extraterrestre voyaient le jour. Plusieurs mois plus tard, une vieille dame, Madame Klepf, dit avoir vu une créature pendant qu'elle était à une fête au zoo. Elle a été tellement secouée qu'elle est restée paralysée plusieurs minutes. Je suis sortie fumer une cigarette sur le balcon. Et j'ai vu quelque chose de vraiment très laid. C'était marron foncé, avec de gros yeux globuleux et rouges.
L'apparition de cette créature coïncide avec des problèmes que nous avons eus. Plusieurs animaux étant morts depuis le mois de février. J'ai perdu 5 bêtes, mais sans savoir comment. Il n'y a aucune explication scientifique et les examens post-mortem n'ont rien donné. C'est très étrange. Ça fait 7 ans que je suis directeur du zoo et c'est la première fois que ça arrive. Ce qui s'est exactement passé à Varginha ce week-end du 20 janvier 1996 reste nimbé de mystère. D'un côté, nous avons les habitants qui disent avoir vu des ovnis, des soucoupes volantes accidentées et des extraterrestres capturés par les militaires. De l'autre, nous avons l'armée et les autorités qui nient tout en bloc. Des habitants au bord de l'hystérie et aucune preuve matérielle écrite ou filmée. Mais peut-être la clé du mystère de l'affaire Roswell brésilienne rôde-t-elle toujours dans ce zoo? La créature que Mme Cleff dit avoir vue n'a jamais été capturée et personne ne sait où elle s'en est allée. Je veux savoir ce qu'il est advenu de ces créatures. Je crois que le monde entier veut savoir si ces créatures sont toujours au Brésil et ce qui leur est arrivé. Nous pensons que s'il peut être prouvé que cette histoire est réelle, ce cas aussi est important, si ce n'est plus que l'affaire de Roswell. Si ces rencontres avec des créatures extraterrestres au Brésil sont perturbantes, des rapports encore plus étranges nous sont parvenus en provenance de l'île de Porto Rico. Enfoui dans les collines, l'observatoire Arecibo essaye d'entrer en communication avec l'espace intersidéral depuis plus de 30 ans. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'il semble non seulement avoir reçu une réponse, mais aussi une visite personnelle. Au cours des 2 dernières années, une créature a terrorisé Porto Rico. On l'appelle maintenant le chupacabras, ou le suceur de chèvres, parce qu'il aspire le sang de ses victimes. Nous avons pu obtenir les seules images de ce qui pourrait bien être un chupacabras. Les sceptiques disent qu'il s'agit seulement d'une carcasse de chat sauvage. La créature que j'ai vue, elle faisait moins d'un mètre avec des petites pattes et des grandes ailes. C'était pas comme un oiseau, c'était pas normal, c'était comme... Les oiseaux volent, mais ça c'était très rapide. Wow, c'était quelque chose de bizarre, de pas normal. Le mystère du chupacabras reste entier. Certaines personnes pensent qu'il est le résultat d'expériences génétiques secrètes, et qu'il s'est échappé des bases militaires américaines de l'île. D'autres sont convaincus qu'il s'agit de créatures venues d'une autre planète. Les autorités portoricaines disent qu'il s'agit seulement de chiens sauvages. Quelle que soit la vérité, les habitants ici vivent dans la terreur. La tête était toute petite, avec 2 trous à la place du nez et une bouche qu'on ne voyait presque pas. Les yeux, on aurait dit 2 gouttes d'eau, mais rouges. J'ai regardé et j'ai vu 2 créatures avec des yeux verts phosphorescents qui sont devenus rouges quand ils m'ont observé. Alors j'ai senti comme un courant et je ne pouvais plus bouger. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais très peur ou parce qu'ils m'envoyaient quelque chose. La créature mesurait entre 90 cm et 1,20 m. Elle était grise avec des yeux rouges et une crête sur le dos. Et elle flottait à hauteur de la fenêtre, accrochée à la main de Rodrigue. Quand on s'est précipité, elle s'est enfuie. Jorge Martin est bien connu dans cette petite île. Il fait des recherches sur le phénomène chupacabras depuis plus de 2 ans. Ils se tiennent debout sur 2 pattes et ils ont sur le dos des espèces de piquants ou d'épines, je ne sais pas trop, qui partent de la tête jusqu'aux reins. Et ils changent de couleur.
et ils se mettent à vibrer très fort. Ils deviennent lumineux et ils émettent un bourdonnement très bas. Et apparemment, c'est ce qui leur donne l'impulsion pour voler. Je suis convaincu de l'origine extraterrestre du Chupacabras. Au début, je pensais que le Chupacabras pouvait être le résultat de manipulations génétiques ou d'expériences menées à Porto Rico et qui auraient réussi à s'échapper. Mais quand nous avons commencé à recueillir de plus en plus de témoignages d'observateurs fiables et sérieux sur tout le territoire de l'île, récits mêlés à des histoires d'ovnis et d'enlèvements, j'ai changé d'avis. Un témoin, Jesus Sanchez, raconte qu'il a approché suffisamment un chupacabras pour le frapper de sa machette alors qu'il était en train d'attaquer ses lapins. Il est certain que la créature n'est pas un animal ordinaire. J'ai entendu un bruit et je suis sorti pour voir ce que c'était. Quand je suis sorti, la créature a surgi devant moi et je l'ai frappée avec ma machette. Quand je l'ai frappée, elle a fait un bruit comme si je tapais sur un tambour. Elle s'est enfuie à toute vitesse. Jesus raconte qu'il a retrouvé ses lapins morts, vidés de leur sang. Les marques étaient vraiment incroyables. Aucun être humain n'aurait pu faire ce genre de marques. Pas même un médecin. Les lapins avaient des trous dans le cou. Ils traversaient les veines. Comme après une opération. Personne ne peut faire ça ici. Nous lui avons montré des dessins d'artistes représentant un chupacabras fait d'après d'autres témoignages. C'est bien la créature que j'ai vue. La forme des yeux, les ongles, les serres. À Porto Rico, il y a des gens qui disent que c'est des singes, mais ils mentent, parce que les singes ne volent pas. À mon avis, ils viennent d'une autre planète. Ce qu'on trouve généralement à l'autopsie, ce sont des blessures parfaitement rondes, d'un demi ou d'un centimètre de diamètre. Quelques-uns des corps ne présentent pratiquement pas de rigidité cadavérique. Je dirais que les animaux sont vidés des trois quarts de leur sang, à peu près. Quand il passe à l'attaque, le chupacabras sort, semble-t-il, une espèce de sonde de sa bouche. Une sonde qui a l'air assez longue, de 15 à 20 cm. Et il enfonce cette sonde dans le cou de petits animaux, comme des poulets, des canards ou des oies. Le policier Juan Colazo prétend qu'une nuit, il s'est retrouvé nez à nez avec le chupacabras. Tout d'un coup, j'ai entendu l'alarme de la voiture. J'ai cru que c'était un voleur, alors j'ai descendu les escaliers en courant, et quand je suis arrivé en bas, j'ai vu une bête en train de se battre avec mon chien. Quand je me suis approché, j'ai compris que c'était le chupacabras, parce que j'avais déjà entendu des descriptions. Alors j'ai reculé, et je lui ai tiré dessus avec mon pistolet. Quand je lui ai tiré dessus, il s'est enroulé comme un ver de terre. Et puis il a roulé sur le sol jusqu'à ce qu'il se cogne contre un mur. Et puis il s'est relevé et il a disparu en quelques secondes à une vitesse incroyable. Je n'ai jamais cru aux ovnis. Je n'ai jamais cru à tout ça avant que ça m'arrive.
Maintenant, j'y crois parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est tout. Il est possible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Mais si le Chupacabra est réellement un visiteur d'une autre planète, il vaudrait peut-être mieux que nous soyons seuls.